Ça a tellement de cachet, tellement de charme, c'est ouf quand même. C'est la mouise! Oh, je me suis écrasé comme un gâteau de riz. Et j'ai perdu toutes mes affaires. On a dû me les voler pendant que j'étais inconscient. Bon, avant tout, retrouver mes potes. Château du roi Angoulaf, rentrée de service. Il va bien falloir qu'on entre pour aller voir le roi. Auberge de mademoiselle Zibiela, fermée pendant la durée de l'épidémie. J'entends du monde à l'intérieur, mais je préfère pas trop insister pour le moment. Il ne m'inspire pas. Je ne vais pas m'attaquer. Pas m'attarder. Il n'y a rien qui l'ose, non ? Ah ben, non. Et bien, reste pas là. Et ça, mais il y a une voile. J'aurais pouvoir ouvrir cette caisse abîmée. Vas-y, hein, lance-toi. Oscar Go. Ouah, c'est trop bien. Il y a quelqu'un dans la coquille. Attends, je connais pas mes mains dans mon talon, remercie Mikar. Ça a l'air d'être du costaud. Toutes les voix se mélangent là. Fatigué aussi. Je n'y arriverai pas avec mes petits bras. Oui, une pierre bleue. Et alors ? Impossible à ouvrir. Je le sens pas. Ça peut être dangereux. Il devrait être ouvrable, il me faut juste un outil. Ça ne marchera pas, cette caisse est trop solide. Je vois une forme recroquevillée dans le fond. Oui, là dans le fond, vous m'entendez? Le pauvre homme doit dormir. On peut pas lui jeter une caillasse. Cette caisse est abîmée mais dure à atteindre. J'arrive même pas à savoir où elle est en fait. Bon, je risque de recevoir sur la tête. Non, non, là, vous pouvez backsiter. Hein. Bien, Mikas. Le trèfle à quatre feuilles, la chance. Voilà qui devrait me donner un coup de pouce. Finalement, je vais me le garder. Ça m'avance pas plus. Oui, j'ai vraiment pas les bagages. Ok, ok, ok. Et le jeu est en 4 tiers par choix artistique. À la réflexion, je vais le garder, moi, ce trèfle. Mais peut-être que là, par contre, on va... Ah, mais non, ça a ouvert la grille, d'accord. Où il y a vraiment rien. Monsieur, j'ai reçu une convocation urgente de notre bon roi Angoulafre. Où c'était cette convocation? Eh ben, je l'ai plus. Alors, le poisson lion, quoi? C'est le lion. Il y en a qui connaissent quoi?
Si je vous offrais un magnifique trèfle qui apporte la chance, vous me laissez passer. Ah, vous bien regardez. Je suis pas super spatiaux. Jamais avoir l'autorisation. Mais alors, vous êtes là. J'ai poigné à mon cas, c'est la gondole, y'a plus tard. On peut entrer. On peut entrer. J'ai fini d'installer une nouvelle baignoire, j'ai bien chaud terminé. Ça me rappelle, tu te souviens dans... Peak Detective 2, quand en fait t'es dans un décor de désert et t'as l'impression qu'il y a une maison très très loin et tu te rapproches et en fait elle est petite comme ça. C'est un hareng. Pas d'outils, j'ai rien. Putain, mais... Lui, il est rude, hein. Merci, Golden Omega. Bientôt un an et demi de bonheur. Merci à toi. La bouteille pas interactive. Je viens de remarquer les yeux globuleux. Mais à qui sont ces beaux yeux? Youhou. Hello, je suis Bertouille la grenille. Bonjour, mademoiselle la grenille. Excusez-moi d'interrompre votre bain. Oh, je vous en prie, pourrais-je vous aider? À vrai dire, oui, je cherche des amis. Un guerrier casqué et un magicien. Ah, mais je ne les ai pas vus. Oh, mais quelque chose est tombé dans l'eau. Attendez voir. Pourquoi je dois voir l'arrêt de votre cul? Putain de merde. C'est bien, le casque d'Asgard. J'espère qu'il n'est pas tombé à l'eau. On peut peut-être l'offrir. Ouais, la caisse a l'air de voler, c'est bizarre. Hein. Je ne vais pas donner le casque d'Asgard à cet abruti. Il le dit devant lui. Hein. Oups, bien sûr, elle est un mec génial. Hein. Auberge de Mademoiselle Zibiela, fermée pendant la durée de l'épidémie. Donc, on dirait que la sécurité est renforcée au château. Merci, Mocha Soyeux. Écoute, de l'esprit d'Esmi. On m'a dit de contenir les éléments potentifiques à toile de l'Estélu. Savions poser ce que veut dire. Et moi, je ne suis pas une patate, je peux rentrer alors. Pour question, Circulio. C'est sur peut-être une patate. Le casque pour ouvrir peut-être le cabanon. Oh. Il y a de l'idée, mais la porte m'a l'air trop bien fermée. Putain, vous êtes des génies. Hein. Il y a quelqu'un là-dedans. Asgard, c'est toi. Et il en a pris un coup. Asgard, voilà ton casque. Ouais, merci, je me sens plus fort. Mais je n'ai toujours pas le courage de bouger. Mon pauvre vieil ami, il lui faut un remontant. Asgard, lève-toi, on a du boulot. Oh, je suis humide.
pieds, je bouge plus. Faut lui remonter le moral. Je n'y arriverai pas avec mes petits bras. Et la planche. Ah non, putain. Oh là là, que de trucs. Oh, Oscar est sorti, putain, j'ai pas fait gaffe. Oui, madame May. Je cherche de l'aide pour entrer dans l'enceinte du château. Ah, je ne peux pas vous aider, mais avec tous ces keufs qui sont tombés des bateaux de livraison, on pourrait faire du troc. Il y a aussi mon ami Oscar Go qui redécore son intérieur, je suis sûr qu'il vous aidera. Bonjour. On m'a dit que vous refaisiez votre intérieur. Vous avez peut-être des vieilleries à me céder. Ouais, ça me va, ça me débarrasse. Vous pouvez prendre une armoire à glace. Cette petite armoire fait une jolie boîte à bijoux. Là, j'ai là une jolie boîte à bijoux. Vous n'échangeriez contre un médicament efficace, genre de la drogue. Ne reste pas dans le coin. J'ai déjà vu cette bouteille quelque part. C'est du Poppers. Rumble the Mountain King. Ça me dit un truc de nom. Tous les jeux. Asgard, j'ai retrouvé en montant. C'est du Poppers. Me revoilà en pleine forme. Bienvenue Asgard, ça fait plaisir. Oui, le mec me donne la même le truc qu'il m'a volé en fait quoi. Dis donc, oups, ça va. Tu m'as l'air miseur. Ah oui. J'ai vu une grenille. Ça ne s'arrange pas, toi. Il aurait été bon. Oh, je vais pouvoir me foutre ça dans le cul. Ça me paraît un peu gros et piquant pour ma poche. Un bougeoir à silex. Je préfère garder mon beau bougeoir high-tech. Le mec m'a me redonné mes objets. Que pensez-vous de mon bougeoir ultra moderne? Ouais, les filles. Ouais, ça pourrait m'intéresser. Il a une magnifique passe-partout à vous tenir en essence. Une affaire. C'est un clou. Un vieux clou rouillé, vous plaisantez? Et alors, une excellente huile de poisson pour vos salades? Putain, vous vous foutez de ma gueule? Et des condiments pour assaisonner vos vinaigrettes? Mais c'est de la bouffe pour poisson! Je ris! Vous me faites perdre mon temps! Ne partez pas! Et aussi le superbe pince pour
pour mettre vos chaussures. Laissez tomber. C'est lui qui m'a volé toutes mes affaires. Quel margoulin ! Putain, c'est vraiment le hard corner, quoi. Quoi que c'est dit donc, cool ? Vous avez vu mon bougeoir automatique ? Oui, pour belle. D'accord. Oublie-toi, je vous laisse pour aussi. Bah, finalement, non, je le garde, lol. Il est trop con. Vous êtes pour les petits commerçants. Et la garde. Où es-tu? Alors comme ça, on peut pas passer. Ah ben, à vrai dire... Non. Bon, mais j'insiste pas. Il aurait insisté, j'y ai ses procès. Putain, c'est mort. C'est trop bien écrit. Merci, Quantique. Quentin Kick. On peut éclairer le cachot avec le briquet. Et moi, je vais mettre... Il y a 16 tableaux. Je vais mettre 10 heures à faire le truc. Et non. Et non. Raté. Ah putain, il y a une blague qui me fait trop rire dans François Pérusse, là, c'est un moment, il fait genre, mais non, voyez, tu sais, c'est un mec, là, c'est dans les Colombos du peuple, il s'engueule avec sa nana, et il fait genre, mais voyons ma puce, ma petite biche, mon petit papillon, et il dit genre, je ne veux pas de sobriquet. Il fait genre, mais qu'est-ce que tu veux que je te ramène, des allumettes? Tellement nul. Et en même temps, brillant. Avoir appuyé sur le gros caillou avec Asgard. Non mais attends, vous avez... Il y a des gens, ils ont déjà Nocturix. T'as quand même pas déjà osé le jeu. Il est sorti avant-hier, quoi. Stop. Ah, je savais que j'avais fait. Et putain, il sert à rien, Asgard, mon dieu! Par contre, il peut faire des effets de lumière sur les persos. Ah, oh, bah il reste que ça, hein, à parler à la, guenille, à la grenille avec Asgard. Ah, mais j'ai du taf, faut que j'écrive les chronocritiques. Youhou. Oui, mon ami. Vous avez été adorable. Merci pour votre aide. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne veux rien. C'est un plaisir de vous aider. Vous ne voyez même pas une petite mouche séchée? Et moi, je lui propose une mousse séchée. Mais quel boulet! Alors, vous êtes en plein travaux? Ouais, j'ai envie de changement. Virer les trucs, vieux trucs. Mettre des plantes vertes, un nouveau lit. Ouais. Merci pour votre armoire. Sachez que je cherche toujours le moyen pour entrer dans le château.
Et toutes ces caisses sont tombées. On doit trouver des trucs utiles. Mais le cactus, il est trop grand. Ah oui, il voulait mettre un... Mais non, mais... Mais tu vois, il veut pas troquer le truc, hein. Mais le vieux rat qui sent la bouse! On veut vous parler! Oui, quoi? Même là, on peut pas être tranquille! Je vais le faire. Oui, quoi? On peut plus être tranquille? Moi, j'étais bien loin de prison. Par corner, quoi? Bonjour, monsieur, vous êtes en prison? Non, je suis au ski. J'attends ma copine. On va manger une raclette. Je veux dire, vous êtes là depuis longtemps? Juste depuis hier. Je m'étais pas laissé pousser la barbe et les cheveux comme ça avant. Abruti. Bien sûr que je suis là depuis longtemps. Depuis des lustres. Vous êtes là pourquoi? Je suis le poète Tchouchous. Le roi Angoulâtre n'avait pas apprécié mon poème. Alors du coup, ça faisait le roi Angoulâtre, l'affreux. Qu'est-ce qu'il baffe? Oui, je connais ce sommet de poésie, c'est très très beau. Écoutez, j'ai mes entrées chez le roi, je lui parlerai de votre cas, je vous laisserai sortir. Moi, un petit costaud. On pourrait peut-être déloger quelques pierres. Alors, ça va, bon vieux? Toi, eh bien, le vieux rat, il ne te parle pas. Écoutez, je pourrais vous offrir un incroyable trèfle à quatre feuilles pour vous porter chance. Ça vous dirait? Ça m'intéresse pas. Je préférerais un Deus Odorizan. Si je lui prête, il ne va jamais me la rendre, ce clochard. Je comprends rien. Ah, elle est encastrée dans le mur, en fait. Très bizarre, hein, comment ça fonctionne. Genre, l'image, on dirait qu'elle bug. Vous sauriez comment je pourrais accéder en haut? Donnez-moi un petit costaud. On va déloger quelques pierres. Non, la bouteille est troll. Excusez-moi, je cherchais mes amis. Rien arrivé, j'ai vu personne. Mais je peux te voir un truc. Je ne sais pas. Je cherche un outil solide. Ça se peut, tu me donnes quoi en échange? Dites donc, vous avez des... Où avez-vous trouvé tous ces objets? Je vais arrêter ma grand-mère. Ma pauvre mémère, c'est si triste. Ouais, on reste cool. Oups. On reste cool, oups. Que pensez-vous de mon bougeoir ultra-moderne? Ça pourrait m'intéresser. J'ai un magnifique passe-partout en échange. Un vieux clou rouillé, vous plaisantez? La pierre, je peux pas la déplacer. Tiens, aussi, il y a une super pince pour vous.
On comprend pas. Non mais Asgard en fait il cogne les trucs mais en soi il est relativement non violent. Hein. C'est un harangue. Les pierres font pas un escalier au-dessus du. Bon, là, c'est... Non ça c'est derrière. Là, c'est... Le layout est pas cassé à ce point là quoi. Tout le pont, le petit bout de bois fait juste partie du décor. Ah là, ouais ouais. Non, la bouteille elle est pas cliquable elle. Ta visite. Dormez bien, cher ami. Mais non, mais depuis tout à l'heure, on est bloqué parce qu'il était aux putes, mais... Allez, oups, on a du travail, traînons pas. Mais quel vieux brigand. Putain, mais c'est avec sa gueule en plus. Ce troll, genre, juste pour que tu recliques sur le machin de désespoir et en fait, il était au pute, quoi. J'ai jeté un sort sur vos peaux, ils ne vous gratteront plus. Rien demandé. Et comment je vais m'occuper maintenant? Super. Alors, il y a un timing, apparemment. C'est si chelou, enfin... On va troquer la plante verte. Un ami d'oups. Mon ami, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai trouvé une belle plante pour embellir votre salon. C'est trop gentil. Il y a un vieux hanneton empaillé que j'avais peint dans doré. On peut plus le voir. Un insecte mort peint en jaune. J'ai là un beau bijou qui vient de très loin. Vous auriez un outil solide en échange? Ok, mais fais vite. Il m'a rendu mon marteau. Quel enculé. Oh là là. Revoilà mon beau marteau. Mais les zones, elles sont trop bien gamifiées, en fait. C'est abusé, quoi. Ah ouais, il y a quelqu'un qui avait eu l'œil sur le... Super, merci, vous me rendez mon marteau.
de faire comme moi, te gratter, lol. Putain. Ça peut servir. Attends, il peut peut-être la casser. Putain de chiasse. Bordel. Un gros sablier, mélange de bois, de verre et de sable. Il faudrait pouvoir l'atteindre. Ah mon gars, à ta place, je m'y risquerai pas. C'est super, je m'y tente. Ah, vous croyez? Ah ouais. Excusez-moi, ces fenêtres donnent bien sur la chambre du roi. Ouais, mon petit père. Moi, par exemple, je suis déjà entré une fois. Monsieur, nous sommes attendus par le roi pour une affaire des plus urgentes. Je ne peux absolument pas vous laisser gagner. Monsieur, c'est extrêmement important, le roi nous attend. De toute façon, les fenêtres sont fermées. Et oui, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Alors moi, par exemple, être un colis, et puis avec les événements, il n'arrive pas. Il faut absolument qu'on trouve comment entrer. Eh bien, je pourrais pas vous laisser faire. Mais quelle andouille! C'est malin dangereux! Mais quoi? Non mais... Oh! Et puis quoi encore? Ben alors, ça vient le missile! Ce twist. Non, j'ai pas testé Dead Island 2 et il m'intéresse pas. Je vais faire attention. Et alors ça va, monsieur propre? Je ne vais pas me risquer sur cette patinoire. On n'est pas un seul glissant qui va nous arrêter. Magnifique. Avec ça, on devrait pouvoir se déplacer sur ce parquet. Merci, Seven Cookies. Il y a comme une petite serrure. Faudrait une clé ou un passe-partout?
orage, hein. La vie est insatisfaisante parfois. Moi, par exemple, j'avais commandé des champignons et ils sont jamais arrivés. Il y a des têtes connues tombées des bateaux perdus à jamais. Pour en revenir au roi. Moi, par exemple, je voulais faire une bonne fricassée. Pas de bol, certaines caisses sont même sauvées en haut. Ah oui? Ma vie. La magie. Ah oui, putain, mais ah, il a la flemme. Faut que je récupère le clou rouillé, du coup. Avez-vous en vendre? Un peu de tout. À dessiner, repasse me voir. Dites donc, vous avez trouvé ces objets? Le caillou, on ne peut pas le ramasser. Tout retester, hein. On bosse un petit coup dans le bordel. Oh, il y a... il veut pas s'en occuper. Monsieur. Bonjour Madame Zibiela. Je m'appelle Oops. Pourrais-je solliciter votre aide? Désolé Monsieur Oops, l'auberge est fermée. Mais je ne vous connais pas. Je dois rester prudente. Oh, c'est lui qui peut y retourner. C'est pourquoi? Excusez-moi, c'est Ignatius. Une petite seconde. J'arrive. Je viens ouvrir. Et voilà. Rebonjour Ignatius, que se passe-t-il? Ma chère Zibilia, je voulais te présenter quelqu'un. Voici Oops, un bon ami digne de confiance. Heureuse de vous rencontrer, monsieur Oops. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. C'est fort gracieux de votre part. Oui, monsieur Oops. Rebonjour, madame Zibiela. Auriez-vous un moyen de nous aider à entrer dans le château? Écoutez, je suis fatigué, je vais voir ce que je peux faire. Voici une vieille soquette, impossible de retrouver l'autre, bonne chance. Mille merci, mademoiselle, mes hommages. Elle m'a gratté. Je suis embêté, Zibiela, comme ça. Que vous donneriez-vous contre cette charmante soquette parfumée? Un
Ne connais pas le dilettantisme, ne reste pas dans le coin. J'ai un objet moelleux qui vous plaira peut-être. Une magnifique chaussette qui pourrait servir de literie. Merveilleux. Ça va me servir de duvet pour l'hiver. Pour vous remercier, il y a un petit quelque chose que vous pouvez récupérer. C'est trois fois rien. J'ai laissé derrière la pierre bleue. Je me demande ce que je vais trouver. Casse les couilles. Vous les cliquez dessus depuis le début. Qu'est-ce que je vais faire d'un tout petit cintre? Pas de blague, pas de blague, pas de blague! Si je fais ça, je crains que l'acharné du lavage de parquet ne râle et attire les gardes. Le roi de la... Mais pète-lui la gueule! Un truc pour crocheter. Vous avez vu mon super bougeoir? C'est pas mal, mais moi par exemple, je me demande si la bougie est plus longue ou plus courte. Ça se règle par en dessous. Non, je le garde, j'ai un de ces bols en ce moment. Je peux rien faire! Demandez à la grenille si elle a les champis. Progresse. Bon, mais sûrement. Encore vous, cher ami? Oui, on aurait vu une caisse tomber dans l'eau, ça vous dit quelque chose? Ne bougez pas, fais voir. Salut, champi! Bonjour, je déduis à vos cornes que vous devez être une vache. Alors merci, ami Bovidé, de m'avoir sorti de là. Il m'a bien regardé, lui! C'est alors, tu es un champignon? Oui, j'ai dans une case depuis des jours. Mes copains me sont desséchés, se sont desséchés, mais moi j'ai gros aussi. Eh bien, si tu es d'accord, je t'emmène. Je voudrais présenter quelqu'un. Ah oui, rien à foutre. J'étais là genre, putain, va falloir le tuer ou trouver un autre, une autre astuce. On a retrouvé votre champignon. Je le pose là, hein. Prenez-en soin. Moi par exemple, j'en ai pas 55 qui casse trop les couilles. J'espère quand même qu'il ne va pas le manger ce champignon. Avec
ce sort, il doit être immangeable. Cette fois, ça y est, on va être reçu par le roi Angoulafre. Mais ça veut rien dire, là. Pourquoi il s'en fout? Bravo, les gars, vous avez déchiré. Cette fois, allons-y, j'espère qu'on trouvera le roi. Donc, on est heureux. C'est ça que t'appelles un beau bijou précieux pour ta petite reine, hein. Un insecte mort? Mais pipiche! Radin! Bon, il faut qu'on parle au roi. Il serait temps! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette vieille fripouille! En fait, Asgard, ne touche pas à la nourriture du roi.